T'as commencé avec Hilary dans la première saison. J'ai commencé avec Hilary. Après, bon souvenir ou pas? Bah Hilary, bon souvenir, ouais, c'était une fille pour qui je suis tombé amoureux. Après les Princes, c'est là où un peu je me suis confirmé en fait, en tant que, bah, que j'avais ma place un peu dans les télés, dans les aventures. Et là, c'est un peu comme, je suis comme un poisson dans l'eau, quoi. Je suis chez moi, donc. Mais c'est la maison. C'est la maison, je suis à l'aise et je fais que confirmer en fait, tu vois. Je ne suis pas en train de me challenger comme j'étais avant. Même si tous les matins je me réveille et j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de rigoler, j'ai envie que ça, tu vois. Tu as l'air beaucoup plus serein. Ouais, plus serein. En fait, maintenant j'ai une expérience, mais je sais rester authentique et je garde ce côté où je m'éclate en tournage. Et c'est pour ça que j'arrive à faire la différence. C'est que j'ai l'expérience, mais je reste authentique parce que je veux continuer à m'éclater en tournage. Le jour où je m'amuse plus, j'arrête la télé-réalité. Il paraît qu'il arrive à se fiancer, t'as vu ça ou pas? Ouais. Mais ça, c'est un truc de fou pour moi, ça. Pourquoi? Bah, moi, son mec, Joe Boy, je sais pas pourquoi il est avec elle, je sais pas. Après, tant mieux s'ils sont heureux. Quoi. Attends, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis je sais pas s'il a, pourquoi il est apparemment, avec elle? Apparemment, je sais pas s'il était hétéro ou s'il était homosexuel. Alors apprends-moi, apprends-nous, parce que pour le coup, je suis pas au courant. Vas-y. Moi, j'ai eu des rumeurs comme quoi il était homosexuel, donc je comprends pas. Après, il peut être bisexuel, hein. Moi, j'ai rien contre personne. Hein. Mais elle vient d'où, cette rumeur? C'est du rumeur qui court dans les rues parisiennes. Et qu'est-ce que tu as entendu? Tu as eu des détails de cette rumeur dans les rues parisiennes? Franchement, non, mais c'est juste qu'il y a dans le monde un peu de la mode. Moi, j'avais entendu des gens de la mode. Tout le monde n'est pas gay dans la mode 6? Non, mais c'est vrai que si tu veux. Voilà. Après, moi, c'est ce que j'ai entendu de la droite à gauche. Ouais, je crois qu'il est bisexuel, homosexuel. Après, tant mieux si elle est heureuse avec lui. Hein. Moi, je voulais pas qu'elle se marie avec moi, donc moi, je lui donne un job boy. Hein. Oui, mais si la sexualité n'est pas celle d'Hilary, encore une fois, je mets des grandes pincettes parce que moi, j'étais même pas au courant, donc je te suis dans ce que tu viens de nous annoncer. Comme rumeur. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est un couple couverture? Ça voudrait dire que c'est un couple sincère d'amour, selon toi? Moi, je pense que Joe Boy est vraiment amoureux d'Hilary. Ils ont l'air. Mais je pense juste qu'il doit être bisexuel. Je sais pas si elle est au courant. Mais ça, c'est ce que moi je pense. Hein. C'est du Trafalgar.